Salut Kamel, ça va de votre côté? Voilà. On va continuer l'histoire, la troisième partie et la dernière. Donc c'est l'histoire entre Landin et Lily. Une histoire d'amour entre deux jeunes, la première. Vous savez, comme je le dis toujours, vous aurez pu parler d'amour. Mais tant que vous ne vous pensez pas à revenir en arrière dans votre mental sur le premier, ça fait du bien de penser au premier amour. Quand ça s'est bien passé. Et comme je le dis souvent, je ne suis que l'auteur. Je ne suis pas l'auteur, pardon. Je ne suis pas l'acteur. Je ne suis que le conteur de cette histoire. Et cette histoire, elle est vraie. Elle a existé. Ce n'est pas une histoire inventée. Non, c'est une histoire vraie entre deux jeunes. Et pour finir, en fait, comme je sais que les Camerounais qui m'écoutent, pour certains, si ça les plaît, tant mieux. Pour d'autres, si ça les énerve. Comme je sais que beaucoup de Camerounais, c'était parmi nous qui de Cameroun avaient le bon mal, qu'ils arrivent ici. Pardon, excusez-moi, vraiment, parce que j'ai ri parce que vraiment, les Camerounais vont me tuer. Tu n'as même rien fait à quelqu'un. Tu fais même des choses, parfois ça l'énerve. Et quand ça l'énerve, il rage chez lui. Comme au Cameroun, petit truc, ils envoient le mot dans le cabinet. Là. Ici, à Ben, le mot dans l'appartement, petit truc, il rentre dans la maison, il veut envoyer le mot. Donc, vraiment, quand il passe à ça, c'est pour ça qu'il n'y a pas de voyerie. Nous, les Camerounais, on va tuer. C'était, on les nait même pour rien. Ah, mon Dieu. Ouais, alors, je ne sais pas. Hein. Faut que je me concentre pour vous raconter la suite de l'histoire. Vraiment, excusez-moi, c'était voilà. Ouais, pourquoi les gens les nez comme ça? Non, oh, tu n'as pas rien fait. Il s'énerve, il est assis quelque part. Il dit, mais le chien a mal, il fait comme ça. Il touche le mouba. Allez, attaque. Non, ouais, pardon, excusez-moi, hein, vraiment. Ah, je suis mort. Les camés. Non, on est fort. Ouais, faut que je me concentre. Bah, vous savez, je vais revenir.